Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις, με μία ξεχωριστή σελίδα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα πρόσωπο από αυτά που στη χώρα μας χαρακτηρίζονται ως ένα πρόσωπο της παγκόσμιας διανόησης. Έναν Ευρωπαίο πολίτη, έναν πολίτη του κόσμου, έναν διανοητή, οικονομολόγο, πολιτικό αναλυτή, αρθρογράφο σε μία, κατά τη γνώμη μας, από τις εγκυρότερες ευρωπαϊκές εφημερίδες, τη Monde Diplomatique, έναν άνθρωπο όμως που διατυπώνει και μία άποψη κόντρα στο ρεύμα και στη συζήτηση ότι οι χώρες σε περίοδο κρίσης χρειάζονται ανάπτυξη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ορσέ, στο Παρίσι, είναι ο κύριος Σέρζ Λατούζ, και η συζήτηση μαζί του απόψε θα γίνει χάρη στη βοήθεια της κυρίας Ειρήνης Μαστοράκη, η οποία έχει αναλάβει χρέη διερμηνέως. Κύριε Λατούζ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ απόψε, στην Κρήτη τη Βύση της Αντιθέσης. Και επειδή τα πολλά λόγια λέμε στη χώρα μου είναι φτώχεια, θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, αν έχετε μια εξήγηση. Γιατί παγκόσμια όλο το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή φαίνεται να υποχωρεί έναντι των τραπεζών, των χρηματιστριακών παιχνιδιών, του κεφαλαίου, ολίγων, αν θέλετε, ανθρώπων ή ολίγων ομίλων με τεράστιο χρήμα που δεν ξέρουμε αν απηχεί και στην πραγματική οικονομία η τόσο μεγάλη αξία χρήματος παγκοσμίως. Alors, ce qui s'est passé est assez extraordinaire parce que nous avons assisté dans une première phase qui commence en août 2007 avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes aux États-Unis. Puis, on nous a dit, en Europe, on nous a dit, mais c'est seulement une crise financière et seulement une crise américaine. Ça concerne les Américains, pas les Européens, parce que nous, les Européens, on est beaucoup plus vertueux que les Américains. On ne s'est pas endetté comme eux. Et puis, en septembre, le 16 septembre 2008, est arrivé la faillite d'une des plus grandes banques mondiales, la Lehman Brothers. Et alors, on a à ce moment-là compris qu'on avait la plus grande crise mondiale depuis 1929. Et alors là, il y a eu deux périodes. Dans une première période, naturellement, le système bancaire était en voie de s'écrouler et les gouvernements ont dit « on va moraliser le capitalisme, on va réguler, supprimer les paradis fiscaux, supprimer les bonus ». Réglementer les banques, etc. Ils se sont réunis en avril 2009, je crois, à Londres. Ils ont fait mine de prendre des mesures cosmétiques pour sur les paradis fiscaux, etc. Mais la seule chose qu'ils ont vraiment fait, c'est qu'ils ont donné ou ils ont garanti pour les banques entre 17 000 et 24 000 milliards de dollars. Un chiffre absolument fantastique. Ces mêmes gouvernements qui ne sont pas capables de trouver 100 millions de dollars pour sauver le système des pensions, des retraites, pour sauver le système de santé, pour sauver le système d'éducation, pour sauver la culture, pour restaurer le musée de Héraclion. Bon, ils ont trouvé 24 000 milliards de dollars, c'est-à-dire un tiers du produit mondial. C'est un chiffre astronomique pour sauver les banques. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, les banques qui étaient menacées de faillite, etc., une fois sauvées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont recommencé la spéculation et elles ont imposé, elles ont dit, bon, nous sommes, comme on dit en américain, too big to fail, trop grosses pour faillir, etc. Nous allons maintenant faire payer au peuple, nous allons faire payer au peuple nos frasques, c'est-à-dire les sottises que nous avons faites. Ils ont recommencé à spéculer et imposer au gouvernement, et le cas de la Grèce est caractéristique, imposer au gouvernement des politiques d'austérité. Θα έρθουμε στην Ελλάδα, αλλά συγγνώμη λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι όλο αυτό που λένε οι τράπεζες και το κεφάλαιο, ότι έχουν πάνω από 1.003 δολάρια, ισχύει και αντιστοιχεί στην πραγματική οικονομία του πλανήτη ή είναι μια φούσκα, έτσι λέμε στην Ελλάδα, που στην ουσία απηχεί τα κερδοσκοπικά παιχνίδια? Αυτό που παράγει ο πλανήτης αντιστοιχεί στα κέρδη και τα υπερκέρδη του κεφαλαίου? Alors c'est très très compliqué parce qu'on est dans un jeu qu'on appelle un casino, jeu de casino. C'est effectivement
de l'argent spéculatif, c'est parce qu'on a commencé à, ça a commencé en 1986 à Tokyo, il y avait le G8 avec Donald Reagan, Margaret Thatcher, ils ont décidé de supprimer toutes les réglementations bancaires, avant les systèmes étaient fragmentés, il y avait la dette grecque, par exemple, était seulement financée par l'épargne grecque. Maintenant, non, ce sont des titres qui sont sur les marchés mondiaux. En plus, les banques peuvent transformer leur dette en titres vendus en bourse et se trouver. Et on fait des produits dérivés, c'est-à-dire des produits à partir des titres réels, de promesses de vente de titres, de promesses sur les promesses, etc. Et alors, on a créé une gigantesque bulle qui est, d'après la Banque des règlements internationaux de Bâle, ce ne sont pas des gauchistes, ce sont les banquiers eux-mêmes qui le disent, qui représente, alors, j'ai parlé tout à l'heure de 24 000 milliards, qui est un chiffre astronomique, mais la bulle financière, c'est 600 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 15 à 16 fois le produit national mondial. Alors, bien évidemment, cette richesse est une richesse fictive, mais c'est une richesse fictive qui a un impact réel, parce que tous ces profits, quand ils se réalisent, ce sont des parts importantes qui sont enlevées au salaire, qui sont enlevées au travail et qui profitent à la sphère des rentiers, des capitalistes et des banques. Αυτή δεν είναι και μια τραγωδία ουσιαστικά του πλανήτη. Δηλαδή, έχουμε έκρηξη της τεχνολογίας, έκρηξη της επιστήμης. Θα μπορούσαμε να λύσουμε το ζήτημα της τροφής σε υπήρους όπως είναι η Αφρική, της εκμετάλλευσης, του πλούτου να διαχυθεί σε όλους τους λαούς και την ίδια ώρα που έχουμε έκρηξη των επιστημών, στην ουσία έχουμε συμπίεση των λαών σε συνθήκες που θυμίζουν μεσαίωνα. Δεν είναι αντιπατικό? Alors, non. Bon, nous sommes... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y avait une grande réunion mondiale à Copenhague, pour le changement climatique. Parce que nous savons tout ce système, parce qu'il y a aussi une bulle, d'une certaine façon, une bulle technologique et une bulle productive, parce que nous produisons énormément, mais nous gaspillons énormément. Ce que nous produisons de plus, ce sont des déchets, c'est de la pollution. Et alors, cela est possible. Pourquoi ? Est possible parce que nous faisons comme l'enfant prodigue, nous vivons pas sur... le revenu, nous vivons sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est ce que la Terre a créé en millions et millions d'années, et nous le brûlons en quelques décennies. Et nous savons que... Alors, il y a deux choses. D'une part, que le pétrole, c'est effectivement la base de la société de consommation, parce que quand vous mettez 30 litres de pétrole dans votre voiture, c'est comme si vous mettiez le travail d'un homme pendant 5 ans. 5 ans de travail d'un homme dans 30 litres d'essence. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et donc, ça a permis une explosion de production. Seulement, le pétrole, dans quelques années, il n'y en aura plus. Nous avons consommé du pétrole à un prix invraisemblablement bas. Et maintenant, nous sommes arrivés sans doute... C'est très difficile parce qu'on ne connaît pas exactement les quantités, mais nous sommes arrivés en doute au-delà de ce que les experts appellent le pic de Hubert, c'est-à-dire le moment où la production n'augmente plus, et comme la demande avec la croissance chinoise est exponentielle, le prix du pétrole va flamber. Nous sommes en période de crise, et néanmoins, le prix du pétrole ne baisse plus. Le pétrole à 20 dollars le baril, c'est fini, ça ne reviendra jamais. Maintenant, nous sommes à un pétrole à 100 dollars de baril, mais demain, ça sera 300, 400, 500, 1000 dollars le baril. Κύριε Λατούζ, θέλω να ρωτήσω, ακριβώς επειδή περιγράφετε με ωραίο παράδειγμα αυτή την εικόνα στον πλανήτη, εκτιμάτε ότι σήμερα το σύστημα που κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο, που είναι το καπιταλιστικό, είναι σε κρίση ή είναι σε μία φάση που περνάει σε τελείως διαφορετική εικόνα, είναι πιο καθαρός καπιταλισμός, σε μένα φαίνεται πιο άγριος και σε εσάς ως πολίτης, αλλά ο πραγματικός καπιταλισμός, η φύση του, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι πιο αρπακτικός, είναι πιο βίαιος, αλλά είναι και πιο καθαρός. Τι από τα δύο? Alors, le capitalisme est en crise. Bon, certains diraient depuis toujours, mais le capitalisme que nous avons connu après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'en France nous appelons les Trente Glorieuses, un capitalisme de véritable croissance,
ce capitalisme-là, il est mort. Mais c'est un peu comme les étoiles mortes. On a toujours la lumière, l'étoile est morte, mais on reçoit la lumière. Alors on ne s'est pas aperçu qu'il était mort. Il est mort probablement au milieu des années 70, ce que l'on a appelé la crise du Fordisme. Vous savez, le système Fordiste basé sur l'automobile. Excuse me. Ο καπιταλισμός πέθανε. Ζήτω ο καπιταλισμός, ο καινούριος. Oui, alors, le capitalisme a prolongé au-delà de cette période et devenu un capitalisme spéculatif et fictif, en particulier avec la complicité de tout le monde, parce que personne ne voulait la mort de la société de consommation et de la mort de la société de croissance. Et donc, grâce entre autres au magicien Alan Greenspan, président de la Fed aux États-Unis, alors on a fait une fuite en avant dans le crédit, dans la bulle spéculative, la spéculation immobilière. Alors ce qui a cru, parce que les indices ont continué à monter, le bien-être, non. Le bien-être s'arrête vers 1973, mais la spéculation immobilière, la spéculation boursière a continué à faire croître les courbes officielles jusqu'en 2008. Maintenant, même les courbes de capitalisme fictif ne croissent plus. Alors là, on est vraiment dans la récession. Et alors, en même temps que le capitalisme productif disparaît et qu'on prolonge cette vie, soit on sort du capitalisme, c'est-à-dire on sort de cette société de croissance, soit ce capitalisme se transforme. Avant, on avait un capitalisme avec un système dans les pays riches, un système politique libéral, un système dit démocratique, qui était une oligarchie pluraliste, mais avec beaucoup de sociétés de tolérance. Maintenant, nous sommes dans un capitalisme qui devient de plus en plus autoritaire. Nous avons partout des caméras de surveillance, qui devient de plus en plus refermé. Les peuples se replient, la xénophobie monte, le racisme monte, etc. Nous avons une transformation pré-fasciste, pré-totalitaire du capitalisme. C'est soit, et c'est pourquoi nous disons, nous, c'est soit sortir de la société de croissance, qu'on appelle, nous, la société de décroissance, soit la barbarie. Et pour l'instant, nous sommes sur le chemin de la barbarie. Ah bon. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Άρα μου λέτε ότι πάμε σε ένα σύστημα καπιταλιστικό όπου έχουμε μια φυσαλίδα ουσιαστικά, μέσα στην οποία ολίγοι σε όλο τον πλανήτη ζουν καλά, έχουν δικό του στρατό, για να προστατεύει τα κέρδη τους, και οι λαοί ζουν από άθλια μέχρι δεν ζουν. Το ερώτημά μου είναι, ένα σύστημα που αποκόπτεται από την κοινωνία μπορεί να την ελέγχει για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή την ίδια την κοινωνία? Oui, d'une certaine façon, oui, nous vivons, c'est ça ce qu'on appelle l'austérité. C'est quoi? L'austérité, c'est la société de croissance sans croissance. La société de consommation sans consommation, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus consommer, mais il y a toujours la publicité en disant « consommez, consommez ». Les banques disent « endettez-vous pour consommer, endettez-vous ». Mais les gens ne peuvent plus, ils n'ont plus les moyens. Alors, les riches peuvent continuer, les rentiers, oui, et le reste de la masse, évidemment, qui n'est pas contente, il faut le contrôler policièrement, il faut mettre des gens aux frontières, il faut même peut-être détruire, éliminer, massacrer les millions et les millions d'émigrés de l'environnement qui vont venir, parce que dans le même temps, il y a un autre effet que je voulais évoquer tout à l'heure de la crise environnementale, c'est le changement climatique. Nous sommes maintenant sûrs, depuis le quatrième rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous sommes sûrs que d'ici la fin, même la moitié du siècle, nous aurons 2 degrés de plus. 2 degrés de plus, on dit, bon, c'est très bien, on va pouvoir avoir des ananas en Grèce, etc. Mais 2 degrés de plus, ça veut dire que le niveau des océans va monter, ça veut dire que le Bangladesh, pour l'essentiel, va être sous l'eau. Le Bangladesh, ça veut dire des centaines de millions de Bangladeshis qui vont venir en Grèce, en France, partout, etc. Bon, nous allons dire, non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? On va les massacrer? Ερώτηση που βγαίνει αβίαστα. Αισθάνεστε ότι το πρότυπο της μισθωτής εργασίας, οι εργαζόμενοι, είναι είδος προς εξαφάνιση? Αλλάζει αυτή η σχέση? Και ιδίως στην Ευρώπη θέλω να έρθουμε, κύριε Λατούς. Έχετε την εντύπωση ότι το σύστημα επιχειρεί να λύσει την κρίση δημιουργώντας πρότυπο εργαζόμενου αλλά κοινά, με 1 δολάριο την ημέρα
μια κούπα ρύζι, αλλά η ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη για λίγους, ανάπτυξη για τις τράπεζες, αλλά ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρότυπο που σχεδιάζουν ο σύστημα για την Ευρώπη και ιδίως τις περιφερειακές χώρες. Évidemment, le système essaye, c'est normal, de persévérer dans son être, c'est-à-dire de ne pas changer ses fondamentaux. Alors nous sommes dans une situation tragique, puisque nous sommes une société de croissance où il ne peut plus y avoir de croissance pour des raisons géologiques, pour des raisons écologiques et même aussi pour des raisons sociales, et sans croissance. Alors ça veut dire qu'on est condamné à un chômage très fort, à une austérité très forte, hein, et par conséquent à un contrôle toujours plus fort. Hein, l'austérité, ça veut dire qu'on coupe, bien évidemment, les ressources budgétaires sont toujours en diminution, et par conséquent, il n'y a plus d'argent pour financer la santé, l'éducation, la culture et même l'environnement, et par conséquent, on taille partout. C'est la misère à peu près généralisée, avec toujours la publicité. La tentation est, pour les riches, évidemment, le maintien toujours au plus possible d'un niveau de vie. Alors, c'est vrai que le capitalisme du désastre, comme dit Naomi Klein, peut très bien continuer à fonctionner, mais ça devient un système de plus en plus policier. Ερώτηση λοιπόν. Την ίδια περίοδο, οι οικονομικοί επιστήμοι, οι οικονομολόγοι όπως εσείς, προσπαθούν να αναλύσουν το τι συμβαίνει στον κόσμο ή ζούμε μια δεκαετία, εικοσαετία αν θέλετε καλύτερα, όπου οι οικονομολόγοι έχουν θεοποιήσει το σύστημα, λειτουργούν περισσότερο ως θεολόγοι και λιγότερο ως αναλυτές που θα μας δείξουν και τις αιτίες της κρίσης. Λένε δηλαδή, ανάπτυξη είναι καλό, αν σταματήσει η ανάπτυξη είναι κακό. Αυτό δεν μοιάζει λιγάκι σαν θρησκεία και όχι σαν ανάλυση? Bon, la science économique a toujours été une religion parce qu'elle naît avec la modernité. Hein, elle prend la place d'ailleurs plus ou moins de la religion dès le XVIIIe siècle avec les Lumières. C'est devenu une forme de théologie. Et alors effectivement, de plus en plus, comme la théologie, ça a des effets pratiques très concrets. Et bien, on voit très bien le fonctionnement, les raisonnements de Monsieur Trichet à la Banque Centrale Européenne, par exemple, disant il n'y a pas d'autre solution pour la Grèce, ils ont leur logique, leur théologie, et ils l'imposent, et comme ils ont le pouvoir, eh bien, ils l'imposent au peuple et au gouvernement. Ερώτηση. Κρίσιμη. Κατά τη γνώμη σας, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κρίση. Είναι κρίση των περιφερειακών χωρών, των Pinks, είναι κρίση Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, ενδεχομένως αύριο και Ισπανίας, είναι μια περιφερειακή κρίση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι μια δομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλά οι μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, προσπαθούν να κρυφτούν λέγοντας οι Έλληνες είναι τεμπέλιδες, οι Ισπανοί έχουν χρέη, οι Πορτογάλοι έχουν μίζες, οι Ιρλανδοί έχουν φορολογικό παράδεισο. Αυτοί φταίνε, δεν υπάρχει άλλο θέμα. Τι από τα δύο ισχύει, είναι περιφερειακή κρίση ή δομική κρίση? Mais je crois que c'est une vraie crise structurelle. L'Union européenne est construite dès le départ sur une contradiction mortelle. C'est-à-dire qu'on a voulu construire un super État, mais au lieu de commencer par la base, on a commencé par le toit. C'est-à-dire on a commencé par mettre en concurrence les économies sans avoir créé même une législation commune au niveau des salaires, au niveau des impôts, au niveau... Alors on a des États qui sont des paradis fiscaux, comme l'Angleterre, comme l'Irlande, etc. Donc il y a une concurrence destructrice entre les différents États sur les impôts, etc. Donc forcément, ça a effectivement permis à des économies, essentiellement à l'économie allemande, hein, en obligeant les autres économies à s'endetter, à créer une certaine prospérité. Et puis maintenant, on arrive à un moment où c'est plus possible, il y a la crise, et je crois que c'est une crise mortelle pour l'Europe, parce que l'Europe,
semble incapable, effectivement, de construire des bases nécessaires. Donc, le toit s'effondre, et comme il n'y a pas de base, je crois que l'éclatement... Alors, c'est en même temps, en détruisant la Grèce, le Portugal, etc., l'Allemagne crée sa propre destruction, parce que quand il n'y aura plus le marché grec, espagnol, portugais, etc., il n'y aura plus d'exportation allemande. Όμως εδώ προκύπτει ένα θέμα. Έχετε την εντύπωση ότι τα πρώτα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ισχυρές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, έδιναν χρήμα στις περιφερειακές, το όποιο χρήμα, για να έρθουν πιο κοντά μετά την κρίση ότι αυτό έχει ανατραπεί, παίρνουν χρήμα από τις περιφερειακές, όποιο χρήμα έχει απομείνει, για να στηρίζουν τις δικές τους οικονομίες. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτή η σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θυμάμαι εδώ τη δεκαετία του 80 στην Κρήτη είχαμε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί Ανδρέα Παπανδρέου προκειμένου να έρθουν οι αγρότες μας πιο κοντά στους Ευρωπαίους, ασχέτως αν τα φάγαμε κι εμείς. Το ερώτημά μου είναι αν έχει αλλάξει αυτή η σχέση. Αν τώρα πια ισχύει, μαζεύουν το χρήμα που έδιναν για τους δικούς τους λόγους περιφερειακά, για να υπάρχει κατανάλωση, αν θέλετε, των δικών τους προϊόντων από τους λαούς της περιφέρειας. Oui. Mais ce qui a, il s'est créé une prospérité globale de l'Europe hein, sur une base fictive, d'un capital fictif, c'est-à-dire d'une fuite en avant dans l'endettement, hein, l'endettement des États, l'endettement des ménages, l'endettement et les banques ont créé d'énormes bulles. Bon, il y a un moment où ça s'arrête, maintenant on voit bien que... Et alors à ce moment-là, chacun essaye de retirer ses billes, comme on dit en français, c'est-à-dire réaliser ses intérêts au détriment des autres. Donc on est dans une période mm-hmm. beaucoup plus... On est passé de l'euphorie au conflit. Mm-hmm. Άρα το ερώτημά μου είναι αν πιστεύει ο ίδιος και άλλοι στην Ευρώπη ότι το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας, και έρχομαι στη χώρα στην οποία ζω, είναι το χρέος, και μάλιστα το χρέος το δημόσιο, ή αν αυτό το χρέος χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από τους ισχυρούς για να μας επιβάλλουν εδώ το πιο ακραίο φιλελεύθερο πρόγραμμα, να κερδίσουν με νέα δανεικά και τίποτα περισσότερο. Τι από τα δύο ισχύει? Η χώρα έχει πρόβλημα πραγματικά δημόσιου χρέους ή υπερδιωγκώθηκε με τα παιχνίδια των αγορών, με τα σπρεν, με τα CDS, μόνο και μόνο για να εμφανιστεί έτσι στους πολίτες της Ελλάδας, που είναι και λίγο φωνακλάδες, προκειμένου να κάτσουν ήσυχα. Το σοκ και δέος δηλαδή της Ναόμι Κλάιν που ο ίδιος επικαλέστηκε ισχύει για την Ελλάδα? Τι από τα δύο? Bon, ben, je suis pas un expert de la finance. Hein. Alors, dans le détail, je pourrais pas vraiment donner les arguments. Je crois que, on est dans un jeu financier qui a été entretenu par tout le monde, c'est-à-dire les banques allemandes ont participé allègrement à cette économie de casino, hein, bien sûr, l'État grec aussi. Tout le monde a participé parce que personne ne voulait affronter réellement hein, les problèmes concrets. Donc c'est une espèce de fuite dans un monde fictif. Pendant 30 ans à peu près, on a fonctionné comme ça, dans une euphorie artificielle. Et maintenant, on arrive à la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est que pour qu'une économie, les gens aient du travail, pour que les gens mangent, pour que les gens consomment, eh ben, il faut produire. Hein, il faut produire, il faut travailler. Mais sur place, ça peut pas venir de tomber du ciel. Le problème, c'est qu'en même temps, on s'est coupé les bras pour reprendre les mesures, parce que normalement, quand il y avait autrefois un pays qui était endetté, qu'est-ce qu'il faisait? Il dévaluait sa monnaie. Et puis la dette, elle disparaissait en partie avec l'augmentation des prix, l'inflation. Bon, faisait que ceux qui étaient les titulaires des titres, les bons du trésor, les titres de la dette, des emprunts publics, ils étaient en partie ruinés parce que les titres diminuaient de valeur à cause de l'inflation. Bon, mais le pays marchait bien, l'économie pour les travailleurs va bien. Évidemment, l'inflation pour les banquiers c'est l'horreur, mais pour les peuples c'est la solution pour résoudre les crises et les problèmes. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνουμε μια πρώτη σύντομη διακοπή στην απόψινή μας συζήτηση. Επιστρέφοντας λοιπόν, ακριβώς επειδή
φέρατε το παράδειγμα της υποτίμησης του νομίσματος στο παρελθόν, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι με το ευρώ χάθηκε αυτή η δυνατότητα για τις χώρες, αν πιστεύετε ότι μια άλλη πορεία εκτός ευρώ θα ήταν καλύτερη ή αν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψουμε περισσότερο ευρώ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψινός συνομιλητής μας είναι μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της διανόησης και της ανάλυσης, ο κύριος Σερζ Λατούς. Κύριε Λατούς, θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτό που είπατε για την υποτίμηση στο παρελθόν, αν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα η Ευρωζώνη να κόψει ευρώ παραπάνω, όπως την Αμερική έκανε ο Ομπάμα με το δολάριο, και βεβαίως να δημιουργήσει πληθωρισμό, ή αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να έχουν το δικό τους εργαλείο, πρέπει να έχουν το δικό τους νόμισμα και ανάλογα με την κατάσταση να διαμορφώνουν και τη δική τους πολιτική. Τι πιστεύετε? Le problème, hein, c'est que les États-Unis sont un pays et les États-Unis, le président des États-Unis peut faire une politique monétaire, une politique. Bon, l'Europe, c'est interdit de le faire parce que la Banque centrale européenne, c'est la Banque centrale allemande, hein, étendue à l'Europe, et les Allemands, pour des raisons historiques, etc., ont donné à la Banque un statut d'autonomie totale, si bien que le pays on ne peut pas faire une politique véritablement monétaire. On essaye de faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Dans ces conditions, et on ne pourra pas le faire parce qu'il faudrait complètement changer l'Europe et aucun pays européen n'est d'accord avec les autres pour faire vraiment des changements fondamentaux. Par conséquent, l'euro va disparaître, va éclater. Et la seule façon pour un pays, parce que la seule façon de s'en sortir, c'est que le pays puisse faire une véritable politique. Et à l'heure actuelle, par conséquent, ça condamne des pays comme la Grèce à revenir à la drachme, à revenir au système des frontières, avec tous les problèmes que ça va créer. Bien sûr, ça fait peur de reprendre sa liberté, mais c'est la condition pour s'en sortir. Ίσως θα ήταν καλύτερο, πιστεύετε, να κόψουμε περισσότερο ευρώ? Να συμφωνήσουν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να κόψουμε περισσότερο ευρώ, όπως το δολάριο, όταν έχει πρόβλημα, κόβει περισσότερο. Έχει μια υποτίμηση ως νόμισμα. Όχι. Oui, mais les Européens ne le feront pas. Et ils ne peuvent pas le faire, ou pas suffisamment, parce qu'il n'y a pas de politique européenne commune. Δεν μπορούν ή δεν μας αφήνουν οι ίδιοι Αμερικάνοι που θέλουν ένα ισχυρό ευρώ για να είναι πιο χαμηλό δολάριο, άρα να είναι πιο ανταγωνιστική η δική τους οικονομία. Non, les Américains, je pense, là, n'interfèrent pas dans l'affaire. Bon, eux font leur propre politique et ils ont tout à fait raison. Bon, bien sûr, il y a une tendance, la France a essayé de pousser dans cette voie un peu, c'est-à-dire de sauver les meubles en quelque sorte, parce qu'en émettant plus d'euros, on essaye de quoi? De faire prolonger le système, parce que finalement, il y a des contradictions profondes que même l'émission massive d'euros ne réussirait pas à résoudre à long terme, à court terme peut-être, mais à long terme, non. Το ευρώ, κατά τη γνώμη σας, είναι νόμισμα των λαών της Ευρώπης ή είναι ένα νόμισμα που διευκολύνει τις τράπεζες και όχι μόνο τις γερμανικές και τις γαλλικές, πολλά ομόλογα ελληνικά είναι στα χέρια γαλλικών τραπεζών και αυστριακές και άλλες τράπεζες. Τι από τα δύο είναι νόμισμα των λαών ή είναι νόμισμα που διευκολύνει για περισσότερα δάνεια τελικά της τράπεζας? C'est clair que c'est la monnaie des banques européennes avant tout et la monnaie des firmes transnationales européennes. Οπότε, κατά τη γνώμη σας, η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα των ίδιων των λαών της Ευρώπης. Oui, bon, toute façon, je crois que l'euro, les jours de l'euro sont comptés, hein. Malheureusement, d'un certain point de vue, parce que moi je trouve ça très commode d'utiliser des euros en Grèce, de ne pas avoir à changer. Mais je pense que ce système est condamné dans les mois qui viennent. Στους επόμενους μήνες, πώς το λέτε αυτό? Αν λέτε εσείς στους επόμενους μήνες, τότε λέτε στον Έλληνα αυτή τη στιγμή ότι ό,τι θυσία του λένε να κάνει, γιατί δεν το έχει καταλάβει και πολύ καλά, την κάνει ουσιαστικά στο βρόντο, κάνει μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή πληρώνουμε για κάτι που ενδεχομένως καταραίει αύριο. Και εδώ μας λένε ότι καταραίει η ίδια η Ελλάδα. Oui.
Oui, absolument. C'est pour ça que je pense que plus vite on en sortira, mieux ça vaudra pour tout le monde. Mais ce qui va s'écrouler demain, quand même, bon, parce que l'euro va s'écrouler, oui, mais le dollar aussi, le dollar c'est pour après-demain, mais le système monétaire mondial est construit sur une immense bulle qui, un jour ou l'autre, va s'écrouler. Alors, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est après-demain, est-ce que c'est... Je ne sais pas, je pense, mon avis, moins de 5 ans et sûrement moins de 20 ou 30. Οπότε, κατά τη γνώμη σας, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Χρησιμοποιούν την Ελλάδα? Ξέρω δεν σας αρέσουν οι θεωρίες της ονομοσίας, αλλά θέλω να το ρωτήσω καθαρά. Πιστεύετε εσείς ότι χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πειραματόζωο? Αυτό είναι μια άποψη που καλλιεργείται στη χώρα μας. Ως πειραματόζωο για κάποιες λύσεις που θα ωφελούν τους ισχυρούς, προκειμένου μετά να το μεταφέρουν σε όλους τους λαούς, σε όλους τους εργαζόμενους? Γιατί κοιτάξτε, κύριε Λατούς, θέλω να σας το πω ευθέως. Ο Γάλλος και ο Γερμανός είναι σε καλύτερη θέση σήμερα ως εργαζόμενοι από τον Έλληνα. Αλλά στο Γάλλο και στο Γερμανό λένε ότι αν του κόψουν ή δεν του κάνουν αύξηση το μισθό, φταίει ο Έλληνας. Και εσείς μας είπατε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Mais bon, je pense pas que la Grèce soit un laboratoire du futur. Je pense que c'est plus simple que ça. Nous avons un système qui est comme une chambre à air pleine de trous. Et nous mettons des rustines. Alors aujourd'hui, la rustine, c'est la Grèce. Demain, ce sera le Portugal. Après-demain, c'est l'Espagne. Mais tous les pays, vont les uns après les autres, sont des rustines qui craquent. Ça craque de partout. C'est le système tout entier qui est en voie d'éclatement. Πιστεύετε ότι έχουν σοβαρότερο πρόβλημα από ό,τι μας λένε οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες, οι μεγάλες? Δηλαδή υπάρχει μια άποψη ότι έχουν πάρα πολλά τοξικά ομόλογα από την κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το μικρότερο για αυτούς, απλά το έχουν μέσα στα πόδια τους λόγω του ευρώ και φοβούνται ότι αν συνεχίσει η κρίση στην Ελλάδα θα συμπαρασύρει και θα αποδείξει ότι η πραγματική κρίση είναι στα δικά τους ταμεία. Είναι έτσι? Absolument, absolument, absolument. Et de toute façon, on voit bien qu'ils n'ont pas de solution et que la politique d'austérité en Grèce est condamnée à la faillite, parce que plus on fait une politique d'austérité, plus la dette augmente, parce qu'elle augmente par elle-même, puisque comme les ressources diminuent, de toute façon, c'est un cercle vicieux, et chaque pays essaye de se débarrasser de ces problèmes sur les autres, mais c'est condamné, à mon avis, c'est condamné à l'échec. Άρα η συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα, ότι αν το δημόσιο πουλήσει μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις, πουλήσει γη, πουλήσει ορυκτό πλούτο, δεν τον έχει το δημόσιο που στην Ελλάδα, μας λένε οι Ευρωπαίοι, είναι γραφειοκρατικό το δημόσιο, θα λύσετε το πρόβλημά σας? Κατά τη γνώμη σας, είναι μύθος για να βάλουν στο χέρι αυτό τον πλούτο? Τι είναι? Oui, bon, mais même de toute façon, ça ne résoudra rien du tout. Et donc, quand on en arrive à ça, je crois qu'il faut sortir du jeu, hein, en disant « je joue plus ». Voilà, « je joue plus » parce que c'est condamné. Et c'est là qu'il faut que les peuples obligent le gouvernement ou se donnent un gouvernement qui... sorte de ce jeu, parce que c'est un jeu de massacre, hein, de tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est la Grèce qui est victime de ce jeu, mais demain, ça sera le Portugal, après-demain, l'Italie, après-demain, et les autres pays aussi. Όμως, εγώ πρέπει να επιμείνω, διότι μας λένε στην Ελλάδα, μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να μας παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα στις Βρυξέλλες που θα μας λέτε τι πουλάτε από το δημόσιο σε γη και επιχειρήσεις. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να μην πάρετε την επόμενη δόση του δανείου, άρα κινδυνεύετε να μην έχετε να πληρώσετε. Βέβαια δεν μας λένε ότι δεν πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις, αλλά πληρώνουμε τα δάνεια, τα παλιά. Ρωτώ εσάς, ποια θα ήταν η υπεύθυνη στάση μιας ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή απέναντι στους Ευρωπαίους? Alors, en fait, je crois que les gouvernants surestiment les risques de déclarer l'État en faillite. Les faillites d'État, il y en a eu pas mal dans l'histoire, hein, depuis Charles Quint jusqu'à l'Argentine en 2000.
Hein, et finalement, on a dit, bon, c'est la catastrophe, etc. Mais finalement, bon, les porteurs de titres de la dette, bien sûr, ne touchent jamais leur argent, mais le système reprend l'économie. Et on voit très bien que, après quelques périodes, peut-être de menaces, de boycott, de menaces, de mise au ban, etc., tous les pays ont envie de reprendre le commerce avec le pays qui a fait faillite. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά με την Αργεντινή και με τον Ισημερινό. Μια μεγάλη διαφορά. Ο Ισημερινός έχει πετρέλαιο. Η Αργεντινή είναι μια μεγάλη χώρα. Εμάς μας λένε, κύριε Λατούς, ότι το χρέος το δικό μας είναι πολύ μεγαλύτερο από της Αργεντινής και του Ισημερινού. Και δεν έχουμε ούτε πετρέλαιο και δεν είμαστε ούτε μεγάλη χώρα. Πώς μπορούμε εμείς να διαλέξουμε ένα τέτοιο πρότυπο? Raison de plus pour ne pas la payer. De toute façon, c'est une... Tout ça, c'est une comédie, parce que tous les banquiers, tous les gouvernements savent très bien que cette dette ne sera jamais payée. Il faut faire mine pour prolonger le jeu, de la rembourser, d'imposer. Alors, en attendant, on fait souffrir les gens pour prolonger l'illusion que cette dette sera payée, hein, qu'elle est payable, etc. Mais en réalité, on sait très bien qu'elle ne sera jamais payée. Άρα μας λέτε ουσιαστικά, κύριε Λατούς, ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πει: το χρέος το έχω πληρώσει σε τόκους, χρόνια τώρα, και ίσως είμαι μία από τις λίγες χώρες που το έχω πληρώσει. Κομμάτι του χρέους είναι καταχρηστικό. Έχει μίζες, έχει διαπλοκή, έχει διαφθορά για άλλα πράγματα, για προμήθειες δηλαδή. Άρα αρνούμε να πληρώσω αυτό που λέτε ότι σας χρωστώ και να μεταφέρει το πρόβλημα στην καρδιά της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να κάνει? Oui, bon. Mais bon, j'ai déjà dit en fait, puisque si on j'ai dit que la seule solution c'était de refuser de payer la dette. Hein. Même pas de... alors on peut... Le refus peut être plus ou moins fort, plus ou moins direct... mais je crois qu'il faut être très ferme sur ce plan-là, sur ce point-là. Άρα με τους οικονομικούς όρους που μας θέτουν, κύριε Λατούς, ουσιαστικά μας λέτε ότι το ελληνικό κράτος, δεν λέω η χώρα, λέω το κράτος, έχει χρεοκοπήσει επί της ουσίας και απλά δεν μας το λένε επίσημα οι εταίροι μας στην Ευρώπη για να μας απομυζούν με τον φυσικό μας πλούτο. Περίπου ό,τι συμβαίνει στο Μεξικό, που έχει πτωχεύσει από το 82, αλλά επισήμως δεν υπάρχει ανακοίνωση. Αυτό συμβαίνει, πιστεύετε, και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Τι συζητιέται δηλαδή στην Ευρώπη και εκεί με τους δημοσιογράφους στη Le Monde Diplomatique? Το συζητάτε αυτό, ότι η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη ως κράτος, επαναλαμβάνω, όχι ως χώρα, ως κράτος, αλλά δεν πρόκειται να τους το πούν ποτέ επίσημα για να τη δανείζουν και να τροφοδοτούν αυτό το πάρε δώσε στα ευρώ? Oui, bon. Bon, je ne sais pas si c'est pour pouvoir vous exploiter davantage. Je crois que non, c'est pour prolonger l'illusion du jeu de casino et donc de continuer le fonctionnement de ce système, de cette économie fictive. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, αν παίζει ρόλο σε όλο αυτό το σκηνικό που αφορά την Ελλάδα το κεφάλαιο που λέγεται στρατιωτικοί εξοπλισμοί και οι πιέσεις που έχει δεχτεί η Ελλάδα και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Ο Ντανιέλ Κομπετίτ το έχει πει χαρακτηριστικά: όταν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα σύνορα της Ελλάδας ως σύνορα της Ευρώπης, στέλνουμε τους πρεσβευτές στην Ελλάδα περίπου να κάνουν τους dealer για οπλικά συστήματα. Και την ίδια ώρα λέμε ότι η Ελλάδα έχει χρέος. Αλλά η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε στρατιωτικές δαπάνες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι του συστήματος? Alors ça, bon, ça je peux pas répondre parce que là je suis pas du tout expert sur les problèmes de géopolitique. Je connais pas exactement les marges d'indépendance. Je sais pas si dans quelle mesure le gouvernement grec est obligé de subir les pressions des uns et des autres, sinon il y aurait un coup d'État. Ça c'est les problèmes géopolitiques là. Alors c'est pas du tout mon rayon. C'est possible. C'est possible, c'est arrivé pour d'autres pays dans le passé, et même pour la Grèce à d'autres périodes, mais là, je n'ai pas d'idée particulière dans le contexte actuel. Ναι, επιμείνω όμως και να σας ρωτήσω, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε προϋπολογισμό αμυντικών εξοπλισμών?
όταν υποτίθεται ότι όλη η Ευρώπη μαζί αντιμετωπίζει προβλήματα άμυνας. Έχουμε ένα γείτονα, όπως είναι η Τουρκία, για παράδειγμα. Και κυρίως έχουμε γερμανικά και γαλλικά οπλικά συστήματα μαζί με τα αμερικανικά, φυσικά. Oui, bon, ben ça c'est, donc, c'est possible, mais ça c'est pas, je crois que c'est, pour moi, ce n'est pas l'essentiel du problème. L'essentiel, je dirais, pour revenir sur l'essentiel du problème, j'ai parlé de la marge de manœuvre des gouvernements, mais il y a aussi le fait des peuples. Je crois que, à l'heure actuelle, c'est ça la situation tragique. Les Grecs ont voté pour un gouvernement socialiste avec un programme tout à fait social-démocrate. C'est-à-dire, j'entends par là, il s'agit de, à l'intérieur d'une société de croissance, dans une société capitaliste de croissance, de tirer un petit changement en faveur des travailleurs par opposition au capital. Bon, en réalité, avec la crise, le gouvernement socialiste se met en œuvre une politique ultra-libérale, une politique qui était les politiques des gouvernements de droite. Bon, de droite du type Reagan, Thatcher, mais aussi Blair, c'est du blairisme. Bon. Et le peuple, évidemment, s'estime trahi. Mais est-ce que le peuple serait prêt, lui aussi, et n'a pas voté non plus pour sortir d'un système de marché capitaliste mondialisé, de l'euro, etc. Donc, il ne voulait pas d'une politique de droite, mais il ne voulait pas non plus d'une véritable alternative, et il ne le veut toujours pas, apparemment. Je lisais encore des articles hier sur l'opinion publique. Alors, les gens sont furieux parce qu'ils ont été trahis, parce que ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient, mais qui, dans le contexte actuel, n'était pas possible. Ce qui était possible à l'époque du Fordisme, de l'économie de croissance, là où il y avait abondance de pétrole, etc., dans les années 60-70, cette politique social-démocrate n'est plus possible à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le choix, c'est ou sortir du système, ou bien faire cette politique d'austérité. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε την αίσθηση, και θέλω να μου πείτε τη δική σας προσέγγιση, ότι ο κόσμος, ο οποίος πράγματι με άλλα συνθήματα ψήφισε τους σοσιαλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ είδε να κατακριμνίζεται ο μισθός του, η σύνταξή του, να κρυβαίνουν προϊόντα, η αντίδρασή του είναι περίπου στα όρια της αδράνειας. Εσείς, κύριε Λατούς, έχετε μια εξήγηση? Είναι το σοκ περισσότερο, είναι γιατί ο κόσμος αγνοεί τα υψηλά παιχνίδια οικονομίας, ή γιατί είναι σε κρίση το πολιτικό σύστημα και δεν έχει κάποιον να τον αντιπροσωπεύσει, προκειμένου να βγει ανοιχτά, να διαμαρτυρηθεί, να αντιδράσει και να επιβάλλει πολιτική αλλαγή? Oui, bon, il faut bien voir que les gens, un pays comme la Grèce, bon, est sorti dans les années 60 d'une espèce de société, disons, très, un peu en retard, etc. Et ils sont arrivés, en particulier grâce à l'Europe, dans la société de consommation. Les gens sont étaient totalement manipulés, dominés par une entreprise de propagande fantastique, la publicité, la télévision, les médias, une sorte de folie collective, de fantasme collectif. Et au fond, ils ont consommé cette société comme une drogue. Et maintenant, les gens sont devenus toxicodépendants de ce système consumériste, qui est en crise en plus, qui n'apportait pas un véritable bonheur, mais qui apportait une certaine euphorie dans la fuite en avant, et maintenant il est en crise. Ouais, et ils n'ont pas encore arrivé au stade où ils n'ont pas pris conscience, en fait, que de toute façon, ce système est condamné pour des raisons géologiques et pour des raisons écologiques. C'est fini, comme disent un auteur américain, Richard Heinberg, la fête est finie. Hein? Bon, et ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vivre mal. Non, on pourrait vivre bien. Et c'est là la philosophie de la décroissance qui peut se résumer dans cette fameuse phrase du Mahatma Gandhi. Hein? La Terre est suffisamment grande pour satisfaire les besoins de tout le monde, mais évidemment, elle ne sera jamais suffisante pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. Nous avons des oligarques très avides, effectivement, et alors ils veulent, eux, continuer. Ils ont réussi à manipuler les gens dans cette
dans cette espèce de, d'euphorie collective. Et maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour affronter la réalité. Au fond, toute cette espèce de bulle de la société du spectacle a halluciné les gens. Et le réveil est un peu douloureux. Άρα μου λέτε ότι η ανάπτυξη περίπου λειτουργεί ως ναρκωτικό πλέον για τις σύγχρονες κοινωνίες, τις οδηγεί δηλαδή μαθηματικά στο θάνατο, αλλά τις έχει εθίσει που να είναι απαραίτητος όρος όπως είναι τα ναρκωτικά. Ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά αν είμαι θυσμένος πια στα ναρκωτικά, δεν μπορώ να κάνω και δίχως αυτά. Είναι μια αρρώστια, πιστεύετε δηλαδή, η ανάπτυξη ουσιαστικά του πλανήτη πλέον? Oui, absolument. Et le problème du drogué et de la drogue, il est double. Il y avait les trafiquants de drogue. Hein. Bon, ça, c'est les 2000 firmes transnationales qui dominent le monde. Ceux-là, eux, ils continueront toujours à faire leur propagande pour la drogue. Et puis les drogués qui savent que c'est très mal pour leur santé, mais qui préfèrent continuer à fumer plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Même si c'est seulement si... Quand vraiment ils arrivent au moment où là on leur dit si vous arrêtez pas d'ici deux mois vous êtes mort du cancer, alors là peut-être ils peuvent entreprendre la cure. Hein. Bon, et alors c'est ça, on est arrivé à cette situation. Et le problème, c'est que au fond on est arrivé à la croisée des chemins. Il hein. La voie. Les gens disent, bon, on veut continuer l'illusion, donc qui reste dans ce système et qui va devenir de plus en plus totalitaire, ou bien alors, on entre dans une société que j'appelle d'abondance frugale, c'est-à-dire une société capable d'affronter les limites de la planète, de se donner, de développer une autre forme de richesse relationnelle, travailler moins, gaspiller moins, consommer moins de produits destructeurs de la planète en les faisant durer plus longtemps, etc. C'est toute une autre façon de concevoir la vie. Είναι εύκολο όμως αυτό, κύριε Λατούς, και αν είναι εύκολο κάπως στο λεγόμενο αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, που εν πάση περιπτώσει γνώρισε και κάποια χρόνια ανάπτυξης, είναι εύκολο να πάτε να πείτε αυτή την άποψη που διατυπώνεται σε λαούς της Αφρικής που δεν έχουν καν τα στοιχειώδη? Θα τους πείτε τι, σταματάμε την ανάπτυξη και πάμε σε ένα άλλο πρότυπο ζωής? Και ταυτόχρονα στο δυτικό κόσμο που έχουμε μάθει γενιές και γενιές, νέα παιδιά ακόμη και τώρα, ότι η ανάπτυξη είναι το όραμα, είναι το καλύτερο, γιατί η ανάπτυξη φέρνει ευημερία, δεν θα προκαλέσει ένα σοκ, δεν θα διαλύσει αυτό που έχουν μάθει ως πρότυπο 50, 60, 70 δεκαετίες τώρα? Et on va pas leur dire, on n'a pas besoin de leur dire. C'est nous qui devons le faire pour nous. De toute façon, eux, ils sont capables tout seuls de trouver la solution. Je pense que il y a un exemple très intéressant, c'est la Bolivie et l'Équateur, hein, où ils ont eux-mêmes compris, parce qu'il y avait la tradition amérindienne que de la Pachamama, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas produire plus, consommer plus, etc., et qu'ils voulaient simplement ce qu'en Quechua ils appellent Sumak Kosai, c'est-à-dire que buen vivir, hein, vivre bien et non pas vivre mieux et plus. Et ils ont inscrit dans leur nouvelle constitution que la nature ou la Pachamama était un sujet de droit qui devait être respecté, qu'on ne devait pas faire des mines n'importe comment. Et même, ils ont même eu le culot de dire qu'ils voulaient que les pays payent, non pas pour acheter le pétrole, mais pour que le pétrole reste sous la terre. Μιας και αναφερθήκατε έτσι σε παραδείγματα, στη Βολιβία ξέρετε ότι είχαμε τον πόλεμο του νερού, επειδή στην Ελλάδα τώρα μιλάμε για ιδιωτικοποίησεις. Ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα και όταν οι κάτοικοι της Βολιβίας, ιδίως τα νότια, άρχισαν να μαζεύουν το βρόχινο νερό, το νερό της βροχής, σε δεξαμενές, φτιάξαν μέχρι και η ιδιωτική αστυνομία, το κράτος, να τους απαγορεύει να μαζεύουν το νερό από τη βροχή. Και έτσι είχαμε και τη μεγάλη ανατροπή στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ξεσηκώθηκε ο λαός. Πιστεύετε ότι αυτές τις εικόνες θα τις δούμε και στην καρδιά της Ευρώπης, ενδεχομένως με άγριες ιδιωτικοποίησεις? Absolument. Je l'espère. Je l'espère. Effectivement, vous avez raison. Je dis toujours que les historiens du futur considéreront que ce qui se passait en avril 2000 à Cochabamba, la Guerra del Agua, la guerre de l'eau, a été un tournant dans l'histoire parce que c'est la première fois qu'un peuple a fait reculer, non pas le gouvernement,
hein, une firme transnationale, la Bechtel, firme américaine, et n'a pas renversé le gouvernement, qui était un gouvernement réactionnaire, corrompu. Ils ont dit, nous voulons que le gouvernement respecte la volonté. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το παράδειγμα, να το καταλάβει και ο τηλεθεατής σε όλη την Κρήτη, τι ακριβώς συνέβη στη Βολιβία, πιο διεξοδικά, ξέρω ότι το γνωρίζετε το θέμα. Όχι με λεπτομέρειες, αλλά τη γενική του περιγραφή, τι συνέβη στη Βολιβία, για να καταλάβουμε σε τι κόσμο ζούμε σιγά σιγά. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement avait, sous la pression des firmes transnationales, avait privatisé l'eau et vendu l'eau à une firme transnationale américaine, la Bechtel en l'occurrence, et immédiatement la firme avait augmenté le prix de l'eau, avait doublé le prix de l'eau, qui est pour les gens pauvres, etc., et en plus interdit aux gens, même l'eau du ciel ne pouvait pas être utilisée, il fallait payer l'eau. Et ça, c'était tellement contraire à la tradition indienne, hein, du don de l'eau qui est un don de la nature et du ciel, que le peuple s'est révolté, il y a eu des morts, etc. Mais le groupe populaire dans lequel il y avait Evo Morales et les cocaleros, les planteurs de coca, mais il y avait aussi bien d'autres groupes, Aymara, Quechua, etc., qui ça faisait la coordinadora, la coordination. Ça, c'était très intéressant. Ils ont dit, nous ne voulons pas le pouvoir, nous ne sommes pas intéressés par prendre le pouvoir, parce que nous savons très bien que si nous prenons le pouvoir, nous serons pris par le pouvoir. Mais nous voulons que le pouvoir, même corrompu, etc., respecte la volonté du peuple. Et ils n'ont pas pris le pouvoir. C'est le gouvernement de droite qui est resté encore. Le pouvoir a été changé aux élections suivantes, 5 ans après, en 2007. Mm-hmm. Et là, bon, un arriviste indien, Evo Morales, a été élu. Mais les choses sont pas réglées. Le peuple fait toujours la pression. Il y a eu aussi des morts avec Evo Morales, parce qu'ils ont dit, Evo Morales ne respecte pas le peuple. Parce qu'un gouvernement ne respecte jamais le peuple par lequel il est élu. Il faut toujours qu'il y ait la pression populaire pour que le gouvernement respecte le peuple. Mais la pression, elle existe encore à l'heure actuelle. Et le chemin de la Bolivie est très intéressant parce que ça montre une possibilité d'alternative en dehors des logiques productivistes, en dehors des logiques de croissance, pour satisfaire les besoins du peuple sans détruire la nature et sans accumuler les profits des banques et des firmes transnationales. Κύριε Λατούς, προτείνω να κάνουμε μια δεύτερη διακοπή στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε. Σύντομη διακοπή στα όσα φαντάζομαι με ενδιαφέρον. Παρακολουθείτε κι εσείς απόψε με τον κύριο Λατούς και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Λατούς. Κύριε Λατούς, σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε μια εξήγηση. Πώς γίνεται, ενώ αφαιρούνται δικαιώματα στους λαούς και κατακτήσεις, στην Ευρώπη ιδίως, να έχουμε μια στροφή προς τα άκρα δεξιά σε συντηρητικές απόψεις και μάλιστα να υποστηρίζονται από τους ίδιους τους πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα αφαιρούνται. Έχετε μια εξήγηση. Για παράδειγμα, στη Γαλλία έχουμε την κυρία Λεπέν σε άνοδο το τελευταίο διάστημα. Eh oui, ça c'est une très grande tragédie et nous sommes en train de refaire une tragédie parce que l'Europe a connu une première tragédie dans les années 30 avec la montée du nazisme et du fascisme et nous sommes dans un contexte tout à fait comparable, c'est-à-dire que face à une crise profonde, une crise de l'économie comme il y a eu déjà dans les années 30 la grande crise de l'économie, les mouvements de gauche qui se sont trop compromis avec le système, n'ont pas de véritable solution pour répondre aux aspirations populaires. Et paradoxalement, ce sont les gouvernements de droite ou des mouvements de droite populistes, hein, qui, en quelque sorte, mettent en œuvre la solution la plus tragique. Parce qu'au lieu de résoudre les systèmes, ils mettent en œuvre ce que j'appellerais la guerre des pauvres, c'est-à-dire opposer les pauvres entre eux, les prolétaires européens avec les prolétaires tunisiens, roumains, africains, etc. Bon, en disant, ces gens-là vous enlèvent le travail, nous allons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le projet de Marine Le Pen, sortir de l'euro, faire une politique protectionniste, mais ça c'est ce que devrait faire le gouvernement du PASOK. Hein. Le seul chef de gouvernement qui a eu le culot de taxer les banques, on le dit pas assez parce que ça serait mauvais exemple, etc., c'est Orban en Hongrie, un gouvernement
crypto-fasciste déjà, pas complètement, mais etc. Bon, lui, il le fait, on le dit pas. Hein. Et effectivement, c'est la première chose que devraient faire les gouvernements de gauche, hein, c'est taxer les banques, les profits illicites. Et malheureusement, ce sont ceux qui vont tirer les marrons du feu, en Europe, on le voit partout, avec la montée, pas seulement en France, en Italie, la Lega, en Autriche, avec Haider, mais même dans l'Europe du Nord, on voit la montée de ces mouvements fascistes. J'espère qu'en fin de compte, le bon sens populaire triomphera, mais il y a une menace très grande, parce que ce sont les seuls, et évidemment, ces gouvernements, ces mouvements, ont plus de chances, les oligarques, etc., ont plus de tendresse à l'égard quand ce sont ces mouvements qui les taxent que quand ce sont des mouvements des gouvernements de gauche. Il y a toujours eu une plus grande complicité entre le fascisme et le nazisme et le capitalisme hein, qu'entre le socialisme et le capitalisme. Επειδή είστε βαθιά οικολόγος στην αντίληψη, φοβάστε ότι όλο αυτό το κλίμα στον πλανήτη, Φουκοσίμα, πόλεμοι, οικολογικές καταστροφές, και την ίδια ώρα λαοί να πεινούν, δημιουργούν ένα κρίσιμο μέγεθος, ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος να είναι για το νερό ή για τη διατροφή, γιατί φοβάμαι ότι οι κυβερνήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν το έχουν αντιληφθεί. Οι λαοί πεινούν απ' τη μια, απ' την άλλη η επάρκεια νερού περιορίζεται, ο πλανήτης καταστρέφεται. Φοβάστε ότι σε αυτό το γύρισμα μπορεί σε μια-δυο γενιές να είμαστε κοντά στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Destruction complète, j'espère que non. Hein, nous avons, mais toutes ces crises, effectivement, la solution est la même. C'est-à-dire que il n'y aura pas de solution de la crise sociale sans solution de la crise écologique. Et c'est cela l'originalité de notre projet de décroissance, hein, c'est de sortir à la fois. Hein, de résoudre en même temps la crise sociale et la crise écologique, mais parce qu'on voit bien que les tentatives de sortir de la crise sociale, c'est par la relance, c'est-à-dire en aggravant la crise écologique. Non, parce que c'est toujours pareil, le manque de courage pour sortir du système. Il faut un véritable changement de paradigme. Είναι δύσκολο όμως να μιλήσουμε για αποανάπτυξη. Είναι μια ουτοπία. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο εγώ που έχω μάθει στον καταναλωτισμό να αρχίσω να μιλάω για αποανάπτυξη ως πολίτης. Alors, en plus, je sais qu'il y a des problèmes de traduction du mot décroissance. Le mot décroissance, en français, est moins choquant parce que quand un fleuve déborde de son lit, hein, on dit il est en crue et tout le monde aspire à la décrue. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est que le fleuve de l'économie a inondé tout, il est sorti de son lit, il faut le remettre dans son lit. La décroissance, c'est la décrue d'un fleuve économique qui a tout envahi. Άρα μου λέτε μικρότεροι δήμοι, τοπικές κοινωνίες με τοπική οικονομία, αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα με αυτάρκεια και όχι καταναλωτισμό, δηλαδή παράγουμε αυτά που έχουμε ανάγκη και σταματάμε. Πώς, δώστε μου ένα δείγμα να το καταλάβει ο μέσος πολίτης στην Κρήτη, πώς θα μπορούσε να γίνει η αρχή για ένα τέτοιο σύστημα. Bon, on peut commencer à tous les niveaux, hein, au niveau personnel, bien sûr ça ne va pas changer le monde, mais au niveau d'une ville, hein, et beaucoup, il y a beaucoup de mouvements justement sur les villes, en Angleterre par exemple, ils ont lancé le mouvement des villes en transition, Transition Towns, c'est-à-dire que les villes, une ville se réunit, ou les gens se réunissent pour savoir comment la ville va affronter la fin du pétrole, le changement climatique. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on va se procurer l'énergie dont on a besoin pour vivre, la nourriture dont on a besoin, etc. Et ils ont été amenés à replanter des arbres fruitiers, à refaire des jardins, etc. Bon, il y a beaucoup d'organisations au niveau local, ce qu'on appelle en France le mouvement des AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où les citadins font des accords avec les fermiers pour avoir une nourriture sans pesticides, sans engrais chimiques, ils achètent déjà la production, etc. Donc il y a des quantités de petites initiatives, même aussi à des niveaux un peu plus élevés, au niveau régional. Donc voilà, il faut commencer dès maintenant. Plus on commencera tôt, plus ça sera facile d'affronter les défis de demain. Parce que nous le voulions ou non, demain, il va y avoir plein de défis de toute nature. Το 18ο αιώνα, από τη Γαλλία ξεκινήσαμε με το διαφωτισμό, που είναι ορθολογισμός, και η ανθρωπότητα πήγε ένα βήμα μπρος. Πιστεύετε ότι σήμερα δεν αρκεί αυτός ο ορθολογισμός του διαφωτισμού, χρειάζεται ένας νέος διαφωτισμός, και ποιος είναι ο ρόλος
της διανόησης έναντι των πολιτών. Πρέπει να βγει και να διατυπώσει ένα νέο πρόταγμα ενός νέου τύπου διαφωτισμού. Γιατί αυτό που μας λέτε απόψε, κύριε Λατούς, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που φεύγει πλέον από τα κλισέ που δημιούργησε ο διαφωτισμός καλώς το 18ο αιώνα, αλλά σήμερα φτάσαμε στον 21ο αιώνα με πάρα πολλά αρνητικά. Τι πιστεύετε? Πιο φιλοσοφικά σας ρωτώ. Je pense que effectivement il y a toujours eu deux types d'intellectuels, les intellectuels au service du pouvoir et puis les intellectuels contestataires. Le rôle des intellectuels contestataires, qui sont les vrais intellectuels, ceux qui ne sont pas achetés, vendus, c'est effectivement d'éclairer, de fournir des explications au vécu et des pistes, des propositions. Je crois qu'on a parlé d'utopie, il y a un sens bon de l'utopie. L'utopie, c'est ouvrir des futurs dont on peut rêver, mais qui sont possibles de réaliser, de mettre en œuvre petit à petit. Et je crois que nous avons besoin, à l'heure actuelle, pour sortir de la misère du présent, nous avons besoin d'utopie. Κλείνω λοιπόν ως εξής, είναι η τελευταία μου ερώτηση. Η Κρήτη είναι ένα πεδίο που θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή απόψεις του για αποανάπτυξη? Έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, έχουμε θάλασσα, έχουμε καλό λάδι, όπως λένε παγκόσμια. Πώς θα έβλεπε να ψηλαφίζαμε μια τέτοια προσπάθεια? Alors, je pense que s'il y a un endroit qui pourrait être un laboratoire de la décroissance, c'est la Crète, parce qu'elle a tous les atouts pour réaliser un projet de décroissance. D'abord, c'est beaucoup plus facile dans une île, parce qu'une île, déjà, géographiquement, a une certaine autonomie. Hein, et cette île peut, elle a vécu pendant des millénaires en autonomie, il peut vivre une économie crétoise qui est capable de satisfaire les besoins de tous. Hein, et c'est tout à fait possible. C'est tout à Number fait possible. Politikus let, hein, y Crete. Les Crétois devraient demander d'avoir leur autonomie politique aussi, hein, parce qu'il y a une spécificité crétoise, pas l'indépendance, mais l'autonomie, la plus large autonomie possible. Et peut-être déjà faire, même sans sortir de l'euro, on pourrait lancer des monnaies locales, une monnaie crétoise parallèle, comme il existe dans tous les beaucoup de pays ont des monnaies parallèles. On pourrait développer une monnaie crétoise. Minoïco nomisma, ενδεχομένως, ένα νέο minoïco nomisma. Oui, absolument. Absolument. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λατούς. Να σας πω au revoir. Θα τα ξαναπούμε σε ένα νέο ραντεβού, φαντάζομαι, αν δεν σας κουράσαμε πολύ απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω για αυτές τις αντιθέσεις την κυρία Ειρήνη Μαστοράκη για την πολύτιμη βοήθειά της. Καλό σας βράδυ.